en conjugaison dans la série Un verbe par jour. Continuons la suite de l'étude du présent avec Mr. D. Et aujourd'hui, le verbe numéro 6, c'est le verbe aller, comme aller à la pêche. C'est quoi le présent? Eh bien, c'est un temps de conjugaison. Des temps de conjugaison, il faut en étudier 4, présent, futur, passé composé et imparfait. C'est quand? Eh bien, le présent, c'est maintenant. Avec quel mot emploie-t-on le présent? On va dire aujourd'hui, ou maintenant, ou en ce moment, ou tout de suite, ou à présent par exemple. Comment va-t-on conjuguer le verbe aller au présent, le verbe numéro 6? Ben, le verbe numéro 6, le verbe aller, c'est un verbe spécial. C'est pas un verbe comme les autres parce qu'il a deux radicaux. Parfois on va commencer par un V, parfois on va commencer par A2L. Et ça c'est parce que c'est un verbe irrégulier. Pourtant c'est un verbe en ER. Mais ce n'est pas un verbe en ER comme les autres, c'est le seul qui ne fait pas partie du premier groupe. Parce que le verbe aller, lui, il a été chassé du premier groupe et il a été envoyé dans le troisième groupe parce qu'il est justement irrégulier, plus difficile à conjuguer. Alors les terminaisons sont AIS, AS, A, ONS, EZ et ONT. Observons le « je vais ». Là, on voit le pronom personnel « je », première personne du singulier, et on voit le radical « v ». C'est un des deux radicaux du verbe. Ensuite, on a la terminaison AIS en rouge. Conjuguons-le. Aller au présent, verbe numéro 6. Je vais, AIS, tu vas, AS, il va, A, elle va, A, on va, A. Nous allons, A2LONS, vous allez, A2LEZ, ils vont, VONT, elles vont, VONT. Là, on voit très bien qu'il y a deux radicaux, il y a quatre fois la lettre V, 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 et il y a deux fois A2L à la première et deuxième personne du pluriel. Relisons ensemble, sans prononcer les terminaisons. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Entraînons-nous maintenant avec les trois phrases du jour. Aujourd'hui, nous allons à la salle des fêtes. Nous allons, liaison entre le S et le A. Nous allons ONS, première personne du pluriel. Comment vas-tu? Point d'interrogation. C'est une question, c'est une phrase interrogative. Tu vas, AS, vas-tu, AS. Maintenant, je vais mieux. Je vais, AIS, première personne du singulier. Relisons ensemble. Aujourd'hui, nous allons à la salle des fêtes. Comment vas-tu? Maintenant, je vais mieux. Voilà, c'était le verbe aller au présent, comme aller à la pêche. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour la suite.